las et rompus par leur long voyage, les membres de la compagnie émergèrent du défilé secret, à proximité de Foncombe, la dernière maison simple à l'est de la mer. C'est là qu'ils sollicitèrent l'aide du seigneur Elrond, l'un des rares elfes en mesure de leur révéler les secrets de la carte qu'ils avaient en leur possession. Seigneur Elrond, c'est étrange que des orques s'approchent si près de nos frontières. Quelque chose ou quelqu'un les a attirés par ici. Ah, il se peut que ce soit nous. Bienvenue, Thorin, fils de Thrain. Il ne me semble pas vous connaître. Et que faisiez-vous sur la grande route de l'Est ? Nos affaires ne regardent pas les elfes. Au nom du ciel, Thorin, montrez-lui la carte. Erebor. Ah, Cirith Ithil. Des ruines lunaires. Sauriez-vous les déchiffrer ? Les orques sont toujours un fléau sur ces terres, attaquant sous le couvert de la nuit et rôdant dans des grottes obscures. De toute évidence, les ténèbres sont leurs alliés. J'en déduis que la lumière d'une fiole de la forêt noire serait d'une aide précieuse pour les combattre. Puis-je vous demander de m'en procurer une ? Thank you.
Lors du dîner, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre l'un de nos honorables convives nains mentionner un mets appelé frites. Je serais curieux d'y goûter. Si j'avais ce qu'on appelle une pomme de terre, je pourrais en préparer moi-même. On raconte qu'il en pousse quelque part dans les hauts monts. Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera et le soleil couchant avec la dernière lueur du jour de Durin brillera sur la serrure. Nous devrons nous tenir au bon endroit et aussi au bon moment. Alors, et alors seulement, la porte s'ouvrira. D'aucuns estimeraient que cela n'est pas prudent. Dites-moi, Gandalf, pensiez-vous vraiment que vos plans et vos manœuvres passeraient inaperçus? Le dragon hante votre esprit depuis longtemps. Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug. Une lame de Morgul. Il parle d'un nécromancien qui vivrait à Dol Guldur, un sorcier qui ramènerait les morts à la vie. Gandalf, Sauron a été vaincu. Un tel pouvoir n'existe pas en ce monde. La question de cette compagnie de nains, toutefois, me trouble au plus haut point. Seigneur Elrond, les nains sont partis. À l'instant.